promis que ces dernières temps, nous allons parler l'ignorance dans l'église d'aujourd'hui. Nous allons parler comment l'ignorance est en Akati, Nabisoba na Nzambe, ignorance est en Akati dans l'église. Nous allons dire que ce que nous avons dit dans la Bible, comment on a les apôtres, les disciples à Jésus, tant que nous avons ministère dans Bango, et bazwa ki tan ya ko enseigner bazwa ki tan ya kote ya parce que bango pe ba monaki ke église bana na nzambe bazala ki ignorant dans makambo ebele. Ils ont combattu l'ignorance au sein de l'église et tolobi ezape pareil na moment na biso na tan na biso bato baza ignorant. La personne qui est ignorant, c'est-à-dire tokoloba fait de ne pas connaître quelque chose, ou bien fait de ne pas savoir quelque chose, être de ne pas être au courant de quelque chose, c'est ça la personne qui est ignorant. Donc biso bana na nzambe biso ba disciple de Jésus biso tozo sambela même na tana biso na église primitive ba to bazala ki ignorant même na église na moment na biso awa tozo pe bananzambe belé tout ça ignorant ba makambo belé toyé bi yangote et yango mingi na kata bible na sepelaka na bandimi ya béré. Quand les apôtres enseignaient, ils étaient là pour examiner, pour voir à ce que les apôtres disaient si c'était réel. C'est ça, quand nous commençons à méditer la parole, quand nous commençons à étudier la parole, ça va nous aider yako zala épargné na ignorance. Yango soki tokeyi mingi na kati na Bible komona tant bazo ko parler na ignorance, baza ko s'adresser na biso ba chrétien, baza ko s'adresser na biso ba na nzambe, baza ko s'adresser na ba croyant au sein de l'église. Tant komona ba terme, et je vais vous montrer chaque fois baza ko parler sur ignorance komona bazo banda soit frère, mes bien-aimés, tout ça, mes frères dans le Seigneur, ba terme wana, eza ba terme oyo, ezola kisake, message wana, na ba chrétien, et bien ba tinda ki yango, pour na ba croyant, ba disciple à Jésus au sein de l'église. Et c'est pour cela que nous allons lire, togomo na ba passage wana, et togomo na chaque fois, Matthieu Tobandi, de na lobi aujourd'hui, eza peut-être quatrième série, tout ça, na ba série, et belé kaka, sur l'ignorance de l'église. Et chaque fois, dans le groupe, ça va passage, où ils ont parlé sur l'ignorance, soit mes bien-aimés, soit mes frères, soit frères, tout ça, à terme, voilà, exactement symbolisé, Bazalaki, Kolobela Bisso, église, Bazalaki, Kolobela Bisso, ma croyant, Bazalaki, Kolobela Bisso, ma disciple, il y a Jésus. Il y a un autre toqué, il y a un autre son, il y a un passage. Oh, il y en a pesa qui n'a débit sur l'ignorance, et ça qui n'a Romains chapitre 11, surtout tant qu'il y a verset 25. Na verset 25, balobi, car je ne veux pas frère, que vous ignorez ce mystère. Nous avons besoin de parler, frère, j'ai aimé, na zongi na conteste, na zongi na passage, pour na kola ki saka kake. Chaque fois, parce qu'on parlait sur l'ignorance, parce qu'on s'adressait na biso ba croyant, parce qu'on s'adressait na biso église. Balobi, je ne veux pas frère. Parce qu'on parlait na bato ba ebinzam bete, mais parce qu'on s'adressait na bato ba ebinzam, parce qu'on s'adressait na ba disciple, parce qu'on s'adressait na ba croyant. Ce qui toque l'issue sous Romains chapitre 7, verset 1. Balobi, ignorez-vous, ignorez-vous, frère. Ça dit, parce qu'on s'adressait na biso ba croyant, parce qu'on s'adressait na église y a Jésus, parce qu'on s'adressait na bateau nion sur la limite Jésus, le colamo consibobi ici, parce qu'on s'adressait na biso oyo. Toyamba Jésus, ton dima, ton pesa ba vie na biso, na Jésus, otozo sa la corps, otozo benga, église, bazo ko s'adresser na biso.
Ce qui sont donc ici, nous lisions encore dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10. Passage, on appelle ça qui sont dimanche passé. Tous on a sous wana pour Matéa, Oyoana, Nassisa qui a noté, et peut-être dans 1 Corinthiens chapitre 10, je vais même enseigner en eux, même dimanche pour Ezoya. Pour toi, il y a point et belle, parce que le passage, on appelle ça pour parler mingi sur ignorance. Ce qui est dans 1 Corinthiens 10, verset 1, Balobi, frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères, aux hommes là, frère, n'a pas ce passage, pour tout le temps, utiliser frère, ce passage que vous avez s'appelle terre, on va utiliser mes bien-aimés, frère, mes bien-aimés, frère, tout ça, exact, on parlait que les apôtres enseignaient l'église. Les apôtres enseignaient parler. Babane qu'on s'adressait à Bissoba croyant. Babane qu'on s'adressait à Bissoba disciple à Jésus. Autres ont composé l'église. Il y a autres ont parlé. L'ignorance qui règne au sein de nos églises. L'ignorance qui règne au milieu de nous. L'ignorance qui règne au milieu des enfants de Dieu. Parce qu'on s'adressait chaque fois nous parlions sur l'ignorance. Message Joana Ezaki adressé. Message Joana Batinda Kiyango. Bon abisso. Balobi, Kakawana Tozogi Balobi, frère, je ne veux pas que vous ignorez ce que nos pères ont été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés à Moïse. Dans la nuée, dans la mer, qui ont tous mangé le même aliment spirituel, qui ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils y vivaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Jésus. Mais la plupart d'entre eux ne firent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Voilà, tu es là qui a mot le bel qui. Ban à Israël, parce qu'on parle na biso, la vie tous en ignorance c'était ba papa na biso na désert, parce qu'on s'adressait na histoire y'a ban à Israël, n'est pas longwa qui n'Égypte, parce que Israël colongwa na Égypte, kokende na Cana, Israël est symbolisé aussi l'image de l'Église, onza ba suit biso dans le monde. A subi son dans le monde et le Seigneur nous amène na Cana. Le Seigneur nous amène quelque part. Et parmi tous dans l'ignorance, c'était ma papa na mission dans le désert. J'ai aimé, je vous ai enseigné le dimanche passé, passage Oyo, Matéa Oyo, histoire Oyo, et je pense peut-être que je vais continuer cela le dimanche qui vient. Les autres limites sont là, tout que de Kolobela Sikoyo, histoire Rouana Israël dans le désert. Tosonga totalement va conteste makambo ele kaki na période wana Israël tamba zali na 2 heures. Mais awa parce qu'on parler na biso la bi, je ne vais pas frère, je ne vais pas que vous ignorez nos pères dans le désert. Batambolaki na nuage, nuage ezalaki et maneko aider bango ezalaki liposo, comme je vous ai dit, nuage a symbolisé la présence de Dieu au milieu d'Israël. Nuage et akiwana et bandaki kokamba bango tant Israël va bimina Égypte azo tambola maneko landa lipata. Lipata wana ezalaki liposo na bango bazo landa yango nuage wana yamonde maneko la sabango zela. Et sa présence y a ensemble, vous voyez, vous guidez Bango. Ce qui nuage est tellement Bango va télévier, et continuer, va continuer. Ce qui va commis na Boutou et commis colonne de fée, c'était la présence de Dieu au milieu d'Israël. Israël, ils ont vu Dieu, ils ont vu la main de Dieu. Ils ont vu cela physiquement, ils ont palpé la gloire de Dieu. Devant la mer rouge et Kabwana qui, c'était des problèmes au Bazaraki Nango, devant la mer rouge. Bazoye ba, et le Kwakosa la te, Yamo Moïse a dit, restez en place, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais.
C'est-à-dire, devant la mer rouge, il a dit devant ma situation difficile. C'est-à-dire, notre Dieu, devant ma situation difficile, a fourré la ganzela. Il lui donne la vie. A fourré la ganzela, même si quand il est athée. Israël, ils ont vu cela. Pas mon akiyango. Pas mon aki, la gloire de Dieu, la présence de Dieu était avec eux. La gloire de Dieu, le miracle divin était avec eux. Dès que tu as dit que Bazanga qui maï, Zamba, Pesa qui bango maï, Bazanga qui bilo kaboli, Zamba, Pesa qui bango. Rocher koutou, Bazon, mais Bimisla qui bango maï, Bazon, Benangweza, Jésus. Ces rochers-là, c'était Jésus. Si vous avez une histoire na bango quelque part, balobi ke babane ko imai manzamba bimbi ba serpent bazoko tout ça comme ma Israël. Moïse a sali serpent, serpent de rein symbolisait aussi Jésus. Comme Moïse a élevé les serpents dans le désert, Jean chapitre 3 verset 14 à 16. Comme Moïse avait élevé les serpents, il fallait aussi que le fils de Dieu atombwa mutunyo soyo. Car Dieu a aimé le monde, il a donné son fils Jésus. Jésus était avec eux. Pourquoi il m'a dit en Égypte, il m'a dit un jour à Pâques, il m'a dit qu'il y a un agneau, il m'a dit qu'il y a un agneau, il m'a dit qu'il y a un lento. Et symboliser aussi Jésus qui est notre Pâques. La Bible nous dit quelque part dans Corinthe, c'est Christ qui est l'agneau de Dieu, c'est Christ qui est notre Pâques. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jésus était avec Israël. Nous aussi l'église, nous avons Jésus. Nous aussi l'église, nous avons la présence de Dieu. Nous aussi l'église, nous voyons de miracles, le Seigneur opère au milieu de nous. Même Nathan ou Israël n'a deux heures. Bazara qui maï. Maï Zala qui bololo. Bazwa qui nous était. Babouaka qui n'a maï. Nous étions à symboliser Jésus. La nourriture, man symbolisait Jésus qui est le pain de vie. L'eau symbolisait Jésus. Jésus a dit, celui qui a soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Jésus avec la femme samaritaine. Jésus a dit à la femme samaritaine, si tu savais la personne qui te demande, il fallait yon dosenga. Bah Israël na désert, bah mona qui Jésus, bah mbazaki na Jésus, bah mona qui bah miracle, bah vivra qui bah miracle, bah vivra qui présence dans un. Mais Bible dit bango et bango ananiyo se bele bah kufaki. C'est-à-dire même Bible dit bah ma kamboane ya qui pour bisoto tirer les sons à un mot. C'est-à-dire nous pouvons aussi avoir la présence de Dieu en nous, nous pouvons aussi avoir la main de Dieu, la délivrance de Dieu, mais si notre conduite est mauvaise devant le Seigneur. Jamais n'a pensé à Israël, non pas pour pas faire des heures. A Mimagi, mais ma maman a pays qui coule le lait et le miel. Au moment que c'est bateau, batambola qui conforme avec Dieu. Batouana, Bakotaki, la pays de Bakotaki, na terre promise. Et peut-être plus tard, en conclusion, là, je veux vous parler, je veux vous montrer les gens qui étaient fidèles avec Dieu. Ces gens-là, bah, Kota qui n'a terre promise, n'était pas Caleb, n'était pas Josué, ces gens-là, ils ont entré dans la terre promise et regardez leur comportement, regardez leurs habitudes, leur attitude devant le Seigneur, bah, ils étaient fermes, ils avaient Dieu en eux. Et bah, tu en as des Kota qui. Mais par rebelle, par oyo, par tamboulé, malamouté, la plupart d'entre eux, par koufaki, n'a deux heures. Par lui que Israël, par tamboulé, qui n'a dit pas ta, je vous ai dit que dans la Bible, nuage symbolisait la présence de Dieu, même Jésus, quand le Seigneur viendra, et même Jésus, quand le Seigneur viendra, le Seigneur, ming, bogomo, n'a dit pas ta, nuage, il a dit tout autour de Jésus. Et même quand il priait, Zamb, papa le dit que c'est mon fils, là où j'ai mis mon affection, balobi nuage et règle sikawana. Même si, quand le Seigneur voulait, comme Matana Nicolo, nuage et règle. Et quand le Seigneur viendra, je vais vous donner des passages pour lire. Si nous lisions dans le livre de Matthieu, chapitre 17, verset 5, ce qui toquait dans Matthieu 17, verset 5, balobi, comme il parlait encore, une nuage lumineuse
lumière lumineuse et yaki kozinga ye. Et voici une voix qui disait de la nuage ces paroles: celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Ozomona. Nuage, quand Jésus, Bazo parler la chose sur Jésus. Parmi lumière, nuage, moukwe yakiwana. Et yakiwana, na lumière, et zinga kiye. Et voie comme kobi manakati na nuage wana. Balobi que celui-là, c'est mon fils bien-aimé. Ozomona. La nuage symbolisait la présence de Dieu. C'est pour cela Israël va mona ki yango. Basala ki ko, babana ki ko vivre yango. C'est-à-dire, parce qu'il y a la présence en Zambé, Kati na Bango. Ils avaient la présence de Dieu en eux. Ce qui toque dans l'Acte des Apôtres, chapitre 1, verset 9. Après avoir dit cela, il fit élever pendant qu'il regardait, une nuage les déroba à leurs yeux. Vas-y parler à Jésus. Jésus, après avoir terminé sa mission, Jésus parlait avec ses disciples. Ici, la Bible nous parle de Jésus qui causait, qui parlait avec ses disciples. Et tout à coup, la Bible nous dit, et voici, il fit lever du ciel et une nuage les déroba à leurs yeux. Jésus n'a pas disciple naïe, tant que c'est mission naïe, babi tout à coup, ma pataye signé. Nuage est entouré. Et Jésus atomwami na nuage à Kélikolo. Cette nuage-là devant Israël, c'était la présence de Dieu. Et Israël, ils ont vu cela. Israël, ils ont vu cela. Ils ont un nuage à la Kébaneko Kambabango. C'était le nuage qui le dirigeait. Ce nuage est télévu, mais continuez, Nuage, voilà. Hermoko, au moins les huit du Bosso. Et comme il dit Bosso na Bango, ils ont accès à Bango Zela. Elle m'a dit que Nakalasima, colonne de feu, et comme à la Kuna Boute, comme colonne de feu, ils ont la Kisabamon, ils ont protégé Bango. Parce qu'il y a la présence en Zambe et Katina Bango. Le coup la vie sope banan en Zambe. Tout le monde a la présence en Zambe et la vie en Zambe. En Zambe, l'obé la ganga. En Zambe, salé la ganga. En Zambe, salé la ganga. En Zambe, l'obé la ganga. Mais ça demande aussi de marcher avec Dieu, d'accomplir, d'obéir à Dieu. Il y a ceux qui t'opposent à l'ignorance et à ma cambo, oyo, et que ça a dommage pour Nabiso. Ceux qui t'opposent à l'Acte chapitre 21, nous allons lire maintenant le verset 27. Nous allons ici maintenant, quand le Seigneur viendra, quand Jésus viendra, la Bible nous dit, alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuage avec la puissance et une grande gloire. Quand le Seigneur reviendra, quand Jésus viendra, on verra le Fils de l'homme venant, Yesu akoya sur une nuage avec la puissance et une grande gloire. Akoya na lipata. Parce que nuage a symbolisé la présence de Dieu. Dans ce passage, on peut dire que Israël est dans des heures. La Bible dit que Tambola qui est dans le nuage. Tambola qui est la présence de Dieu qui était avec eux. Ils avaient la présence de Dieu en eux. Regardez chaque fois, même Moïse, pour la vie, il y a un contexte et un nuage devant Israël. Tout le monde va passer à Jepele. Quand Dieu a parlé comme il a Moïse, quand Israël voulait voir à Dieu, au moment où il y a un nuage et un kiwana. Nuage et un kiwana. Ce qui est dans Exode chapitre 16, verset 10. Exode chapitre 16, verset 10. Tandis que Aaron parlait avec toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici la gloire de l'Éternel parut dans la nuage. La gloire de l'Éternel parut. Nguyan Zambeye et Bibi, Bamoni Ango, mais Nanzela, Yamapata, Nanzela, Yaha, Yaya, Yaya.
Ce qui t'a quel souci dans Lévitique. Ce qui t'a dit Lévitique chapitre 16 verset 2. Baza vous parlez dans Bissot Lissous Kaka. Pour que mon nuage et la qui. Ma passage est belé, ils ont parlé. Pourquoi on a fait ce qu'on a voulu? Israël, en eux, Bazaki la présence sans âme, ils avaient la présence de Dieu. Mais pourquoi, Bakoufi, pourquoi, Mingi Nabango, je vous ai parlé le dimanche passé, c'était 23 000 hommes, ils ont tombé en un jour. Bakoufa qui ponani, les belé, Bakota qui n'a été promise, c'était. Parce que la Bible nous dit, la Bible nous dit, je vous ai dit que, et belé la bango, bakota quitté, parce qu'ils avaient en eux de mauvaises mesures. Bible nous dit la biso, et belé la bango, bakota quitté, et belé la bango, bakota qui n'a été promis, c'était, bakoufa qui n'a des heures, Balobi parce que Bazalaki n'a pas mauvais désir. Bazalaki ba idolâtre, je vous ai parlé. Mingi ba komaki ba idolâtre. Bazalaki n'a pas posé à ma bé. Y'a autre dit que Bisso Bananza, Babi Makambo, Oye Yaki. Ce qui t'a tangi, n'a 1 Corinthiens 10, verset 6. Dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir des exemples, afin que nous n'ayons pas de mauvaises désirs comme il y en a eu. Mais tous les gens ont mauvais désirs, comme le col à Bango, Bazalaki Nango. Ne devenons point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis s'élevèrent pour se divertir. Osomona, dans ma français, courant, balobi le peuple, le peuple s'élevèrent pour jouer. Après avoir mangé, ils ont commencé à jouer. Dans Jérusalem, balobi, après avoir mangé, ils ont commencé à miser. Regardez, et observant, balobi, après avoir mangé, ils ont commencé maintenant à danser dans la présence de Dieu. Ils ont commencé à miser dans la présence de Dieu. Ils ont commencé maintenant à danser dans la présence de Dieu. Ils ont commencé à sauter, à miser, à jouer dans la présence de Dieu. Et combien de fois nous, quand nous venons dans la présence de Dieu, nous venons. Il faut que nous venions pour adorer. Toi, y'a pour toi adorer. Toi, y'a pour toi élever notre Dieu. Toi, y'a pour toi respecter, honorer notre Dieu. Mais souvent, nous les chrétiens, souvent nous les enfants de Dieu, quand nous réunissions pour amuser, miser, nous réunissions pour jouer. Moutoye, comme Koya, Kolinga, Basi, l'église. C'est ça, amusement. Pour bounir mon église, oyez, pour soigner mon église, oyez, pour Babylone, quand nous venons dans la présence de Dieu et Israël dans la présence de Dieu, regardez ce qu'ils ont fait. Et c'est pour cela et belé na bango. Mais au début, Dieu était avec eux. Au début, Dieu, ils ont vu la main de Dieu, ils ont vu la présence de Dieu, ils ont vu le miracle de Dieu, ils ont vu Dieu était avec eux. Et comme je vous ai dit, Nanzela, il y a un nuage qui était avec eux. Mais leur démarche, leur marche, Mingi na bango, bazali na baposa à ma bé. Tout en baposa à ma bé, t'es kati na biso. Tout limité ma biso, t'en voyez pas ensemble. Tout le mongolo, nous sommes à ma bé. Tout le mongolo, nous sommes à comportement à ma bé. Tout ça, les lanzambé, dans le kati na bosolo. Tout ça, là-bas, idolâtre, t'es. Je vous ai dit que la personne qui est idolâtre, la personne qui prend quelque chose et l'eau qu'on a ligné en ma casse, l'eau qu'on est comme un zambé naïe. Combien de choses on a mon kilo yassé et comment un zambé na biso. Il y a mon des autres capo la biso nan zambé et l'eau qu'on a son cosangé en même une prière pour te goyate. Et comme vous avez bien matériel, comme vous avez bien mon kilo. La première position zambé ligné, c'est lui qui prend la première position dans notre vie, non pas de matériel,
non pas des choses de ce monde, non pas des gens de ce monde. Dieu veut demeurer. Vous savez pourquoi Dieu avait demandé à Abraham de lui donner son fils unique? Parce que Dieu a vu aussi dans le cœur d'Abraham. Abraham a aimé beaucoup Isaac. Et c'est pour cela que Dieu lui avait demandé son fils. Il a dit, donnez-moi celui que tu aimes. Celui que tu aimes, parce que Dieu voulait que lui seul, qu'il prenne la première place dans le cœur d'Abraham. Dans nos cœurs, souvent, ils ont un matériel, ils ont une voiture, ils ont un mbongo, ils ont un bilamba, ils ont un balinanga, ils ont un moisinanga, ils ont un bananga, ils ont un musaranga. Ce sont des choses, quelque part, nous sommes des idolâtres. Biloko si na mokili ezana ba biloko ezoko joua ka première place et ces premières places là nous sommes capables même à se séparer de Dieu. Je vous dis la vérité, nous sommes des idolâtres. Nous sommes des idolâtres. Et aujourd'hui je vais nous parler, maintenant nous allons voir l'histoire des enfants d'Israël dans les déserts. Donc dans Exode chapitre 32. Exode 32 verset 1. Le peuple voyait que Moïse tardait à descendre dans la montagne. S'assembla auprès d'Aaron, il dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse et cet homme nous a fait sortir du pays de l'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur a dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles, emportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles. Ils emportèrent à Aaron. Ils les récirent de leurs mains, jeta d'or dans une moulin. Il y fit un vin en fonte. Il y dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays de l'Égypte. Regardez ici, aïe 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 aïe. Le peuple, nous avons un seul Dieu. Nous avons un seul Dieu au milieu de nous. Regardez Israël, c'est Dieu d'Israël. Oh, la Bible, c'est bango l'Égypte. Zamba memi bango zotam visa bango. Na deux heures. Dans le désert, la colonne était avec eux qui symbolisait la présence de Dieu. Ils ont vu le miracle divin. La mer rouge était divisée en deux. Tout ça, bango il est beaucoup ensemble. Mais tout à coup, la Bible nous dit Moïse a été coloqué ensemble. A qui n'a pas coloqué et l'ongi ensemble. Bah moi si ka batika la gina Aaron. Bah y'a pas Aaron, balobi Aaron, sale la bison zambé mon soussou. Sale la bison zambé mon soussou. Osomon a maintenant nous voyons. Balobi sale la bison zambé mon soussou. Et Aaron, alobi na bango, il fallait Aaron zongi sa bango nanzela. Il faron, et plutôt il fallait Aaron. Azongisa Israël nanzela, il fallait Aaron azongisa libota nanzabe nanzela, parce que Israël dans le désert, comme je vous ai dit, Israël symbolise et l'image de l'Église dans notre temps. Bah lui fais-nous un Dieu qui nous a fait sortir de l'Égypte. Il fallait Aaron azongisa bango nanzela. Aaron souvent l'obaga, Aaron a sa image à leader, il y a pasteur. Aza image, il y a prophète, aza image, il y a docteur, évangéliste, un homme de Dieu qui dirige. Souvent, nous, les hommes de Dieu, tous avons la pression. Il y a bandit, tous avons la pression. Il y a bateau, tous avons dirigé. Bateau, nous avons la posse à miracle. Nous avons besoin. Il y a l'eau comme robot. T'as la pression. Oh, ma tchaka, et pas, il y a avant. Pour nous, Azwa kaka solution, Israël, nous avons besoin. Il y a un zambé moussous. Il y a besoin. Il y a spiritualité moussous. Israël, il fallait Aaron. Il y a Aaron qui connaissait le vrai Dieu. Il fallait que nous savons dans Zéla. Mais Aaron, Azala qui corrompit. Aaron, Azala image à un pasteur, mais corrompu. Aaron, Azala image à un homme de Dieu, mais corrompu. Qui a besoin de matériel, qui a besoin de l'or. Aaron, il fallait Aaron, donc ça Israël. Nanzela, que le seul Dieu qui nous a fait sortir de l'Égypte, c'est le Dieu d'Abraham. Le seul Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Mais lui aussi, il était corrompu parce que Aaron cherchait Azoluka ba diama ba or. Alors, il a kouka kosale la bango pe keko na lobaka. Aaron a kouka kosale la bango pe keko yanzete.
Mais que copie à banzete tout mon accueil. La ngombe parce qu'ils n'oublient pas pourquoi ils ont fait. Basalili bango ekeko ya ngombe, ekeko ya ngombe wana bakoka kosala pe ya nzete, bazwi nzete bakati, mais awan nge kosalela bango ya or, parce que kazaki na besoin ya ba or. Tala zwi ba or ya bato ebele, mais asali ka ekeko ya mukie, asalaki ekeko ya ngombe ya mukie, parce que kazaki na besoin ba or. Combien tout le ba alkosi pe lobi, yokanenga lobi, après avoir fait cela, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Ce que mon idée Aaron a wakosa qui parce que tant Moïse a écouté le Melaï, Moïse a écouté pas Melaï, ami Moïse aurait mis niveau tao, aurait mis peuple haut, bah yo kara na bangote. C'est-à-dire quelque part, il y avait Aaron, pour le coup, il y a besoin matériel, il y a besoin richesse, il y a besoin mbongo, tout ça. Et à cause de ça, souvent nous les hommes de Dieu, nous les pasteurs, les leaders, le coup, il y a besoin de mbongo. Le roi tout en a besoin de matériel. N'en a besoin de bon. N'en a besoin de matériel. N'en a besoin de l'okoboy. Tala, tokotisi, kokosa. Bakotisi, awa Aaron. N'oublie pas le nom Aaron. Comme Aaron, c'est lui qui brille. C'est lui qui brille. Oya zongenga. Mais Aaron, il fallait zongisa Israël. Aaron, amemi baosu nanzela. Amemi bango, combien de fois tolongwe nanzela ensemble. Nous les hommes de Dieu, nous les croyons. Et c'est pour cela, ces actes-là, et causa qui dommage quand à Israël, et causa qui va problème, et belé va koufa qui, et belé va continuer à canate, et belé va promesse n'a pas pessi, va koukis amité. Tous en a ignorance à ma cambote. Ne soyez pas ignorants de ces choses. La Bible nous dit ces choses, et Israël m'a dit pour que nous, tout tirer les sons à Katinango, marcher avec Dieu, ayons la confiance à Dieu, marcher dans la crainte de Dieu, obéissez à Dieu, pour voir des promesses de Dieu dans nos vies. Mais si, Togotambo la bongote, peut-être il n'a pas passé, peut-être il n'a présent la bison Zambé, Azo, sale la bison. Tout le monde a présence d'ailleurs, ils ont image, il y a nuage. Tout le monde a miracle, ils ont allé la mer rouge divisée. Mais ceux qui vont continuer avec de mauvaises mesures, de mauvais comportements, et plus tard, tout le monde a promesse que ce qui s'est passé, plus tard, tout le monde a dit que ce qui s'est passé, plus tard, tout le monde a problème, tout le monde a difficulté. Na croyance na biso notre relation avec le Seigneur. Ozomona. Aaron a l'image à leader. Aaron est l'image d'un leader, mais leader corrompu, pasteur corrompu, prophète corrompu, pasteur corrompu. Lui, il a besoin seulement de matériel. Lui, il a besoin seulement de richesse. Il a dit Israël a porté. Il a précisé. Bolongo laba or. Oye zapa bana na bino abasi ya mibali na bino mokoboye langa. Na lobaka Israel bazaki 3 millions. Talasiko bangoni oso ba eli bango ba na bana. Babale ko konte bana te basi te. Me bazui ba richesse wale oso ba eli Aaron. Combien nous les pasteurs nous avons. Tozo ta la spiritualité a libota na nzambe te. Tozo te ya bango te batambola avec Dieu. Mais nous avons seulement besoin d'argent. Toi n'as besoin seulement un mbongo. Bapé sangambo, bapé sangabadi, bapé sangabo franc. Même aux autres temps, non ma bé, même, y'a pas sango franc. Même aux autres, na comportement ma bé, bizarre, y'a ma bé, deux huit de mauvaises, y'a la n'a qu'à franc. Et Aaron, lui aussi, il avait besoin des offrandes. Lui, il avait besoin de la richesse. Fala zombie, c'est Israël, Nanzela. Aaron, tout le monde, y'a na Israël, voici votre Dieu. Nasa moté, ma y'a pas qu'à son kosa bango. Si tu es un homme de Dieu qui prêche la vérité, qui enseigne la vérité, tu vas la noter, tu vas la côté, tu vas la soutenir, tu vas la soutenir. Mais ce que tu as à Kazaka, il y a Aaron. Tu vas prophétiser comme Aaron. Aaron a prophétisé Israël, voici votre Dieu. Aaron est dans le Kosanaye. Mais il y a dans le Kosanaye, après, tu vas la faire or, tu vas diamant. Aïe, après, à cause de ma richesse, ce que vous avez passé, vous avez cause de ma prophétie, vous avez cause de ma terre, vous avez belé ma colanda, vous avez belé ma robe, vous avez belé ma boucle, mais ma boucle, vous avez belé la, vous avez le gola.
Il a dit, ôtez les anneaux d'or qui est qui étaient à leurs oreilles. Verset 2, Aaron leur a dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes. Oui, les oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles. Talabas de laïe, il y a ma maman, ma bijou, ma or, ma pessi. Bana mi bali pe, ba or bazalaki nango ba collier bazalaki nango ba pesi. Bana ya basi pe, ba or bazalaki nango ba zo ba pesi Aaron. Aaron azwi ba or na ba ya ebele bongo. Tala ko osale ke kwa mukie. Akoke ko sale na bango pe keko ya nzete. Me ya ko sale na bango ya or parce que zaina bezo ba diamant, zaina bezo ba richesse. Nous aussi les hommes de Dieu, tous on a besoin ba richesse wana. C'est pour cela to kote ici ba makambo ebele. Ton côté ici, manipulation, ton côté ici, manipulation, mensonge, désir, tout ça, nous, les hommes de Dieu, nous, ton côté ici, on a moussala nanzam. Parce que on a besoin de bon, on a peine à son voiture, on a peine à son mandat, on a peine à son niveau, on a peine, c'est ça. N'oublie pas, ne soyez pas ignorants. Ce que tu as dit, comme l'a dit Israël. Ce qui t'ont tambo la peine à makambo, tu vas la libanda, y a pas promesse nanzam, pas promesse belenzam balaka qui na Israël et koksa magité, parce que tambo li na bango, Israël qui m'a payé. Ce qui t'ont continué, tout ce monde avance au loba, Israël voici votre Dieu qui vous a fait sortir de l'Égypte. Na verset 5, lorsque Aaron vit cela, il y bâtit un autel devant lui. Il s'écria demain, il y aura fête à l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin. Ils souffrirent de l'holocauste et des sacrifices d'action de grâce. Et le peuple s'assit pour manger, pour boire. Puis ils se levèrent. Ah, bon. Quand on conteste, ils se levèrent pour. Il a dit demain. Il y aura une fête à l'honneur de l'Éternel. Là-bas, ils adoraient le vaudour. Maintenant, ici, ils ont fait une fête à l'honneur de l'Éternel. C'est ça, le mélange. Kuna bazo basali ekeko, bazo ko adorer le keko et que ko bimisi bango ya ngombe. Abimisi, il faut voir papa pourquoi basala ekeko na ngombe. Parce que keko ya ngombe même na Égypte. Égypte adorait le babane ko adorer. Bangombe bazalaki parmi ba batemeli babane ko adorer ngombe parce que ngombe zalaka na makasi ngombe eza image ya symbole ya makasi ya makasi ya énergie tout ça ba pays ba momana mingi babane ko adorer ba ngombe même yemo ko nzambe soko tangi na Bible. Dans Nombre chapitre 23 verset 22, Babi Dieu l'a fait sortir de l'Égypte et Nzamba zalaki lokola makasi ya buffle. Nzamba zalaki makasi ya buffle. Nzamba komisa Israël Égypte zalaki makasi ya buffle. C'est-à-dire ngomba symbolise que énergie symbolise la force. Et ba pays belé ba venir ko adorer ba buffle. Ba zalaki ko adorer ba buffle ba ngombe tout ça et c'est pour cela. Basala ki pengombe pour na kolakisa ke eza image en nzambe mezaki nzambe te. C'est ça le mélange. Si nous voyons le mélange est entré na musala nzambe. Aron lobi asali ekeko ya ngombe baza ko adorer Israël voici votre Dieu qui vous a fait sortir de l'Égypte. Mais demain il y aurait encore une fête à l'honneur de l'Éternel. Mélange et côté na musala nzambe. Mélange, ton côté ici mélange. Néglise, ton côté ici mélange. Va croyant, ton côté ici mélange. Tous ceux qui adorent Nzambe, mais tous en la magie. Tous ceux qui adorent Nzambe, mais tous en la sorcellerie. Tous ceux qui adorent Nzambe, mais tous en la science occulte.
Israël là-bas, ils ont adoré le vaudor, mais quelque part, ils ont fait encore une fête à l'honneur de l'Éternel. Mélange. Toujours utilisé comme moi Jésus, maintenant ma gamoussous. Toujours utilisé comme moi Jésus, maintenant ma sorcellerie. Toujours utilisé comme moi Jésus, maintenant ma protection dans autres. Toujours utilisé comme moi Jésus, maintenant ma singamoko pour la loquette. Toujours utilisé comme moi Jésus, maintenant ma chaînette moko cachée en secret, en science occulte. Toujours utilisé comme moi Jésus. Comme moi Nzambé na monoko Israël, bazana Dieu, mais bazana idolâtre. Combien de fois ces pratiques de Ezakat Nabis? Combien de fois ces actes Ezakat Nabis? Combien de fois ces comportements Ezakat Nabis? Ne soyez pas ignorants. Israël, Dieu était avec eux, mais Israël, ils ont tous, beaucoup d'entre eux, ils ont tombé dans les déserts. Et des promesses, on s'en va faire ça qui va mourir. Mingi ba mona ki angote. Masaya mon frère, nangi tozala, loko la bato oyote. Babi makambu oye salama di pobiso to tirer les sons. Nous to tirer les sons. Marchez avec Dieu, sois persévérant en Dieu. Attache-toi à Dieu. Même si bénédiction en zambe ou meli, sois persévérant. Même si osui le lote, sois persévérant. Même si omoniamon le lote, sois persévérant. Israël to moni awa mélange. Israël to moni awa. Bazo ko adore Nzambe. Aro alobi, asaleli bango statut. Balobi kuna bazako après avoir mangé, bu. Ils ont commencé, dans ma version, balobi à miser. Ils ont commencé à jouer. Ils ont commencé à danser. Mais bazako a dansé pour nanani. Bazako jouer pour nanani. Dans l'église mingi, il y a bu ce commis. Bazako a joué. Fallait toi quoi adorer, mais nous sommes comme Koya, pour pas qu'on soit bambou, nous sommes comme Koya, pour pas y en avoir club, nous sommes comme Koya, pas comme Koya pour nous cabasser, nous sommes comme Koya, pas comme Koya pour tromper, mais nous sommes comme Koya, pour pas m'imana basser ma balle, nous sommes comme Koya, pour pas l'ingami balle, pas comme Koya, ça dit, nous sommes dans la présence de Dieu, mais nous jouons. Et dans la présence de Dieu, ma vie, entrer dans la présence de Dieu, dans la crainte, honorer ton Dieu, nous sommes balayés dans sa présence, toi honorer. Mais nous venons pour amuser, nous venons pour jouer. Et regardez, c'est pour cela, beaucoup d'entre eux, ils ont tombé. Beaucoup d'entre eux, ils ont tombé. Bamoni, ma promesse était. Bamoni, il a conduit à la belle qui va monter. Ma camouza, ma lia, costa, la bango, bamoni, en monter. Batembele pe etamboli na biso, peut-être zamba la kayo, ma gambele, pas ça, la naio. Omoni, en monter, peut-être etamboli, nous en abe. Nzamba lobaka na yo kosala no boya kosala na nga boye. Mais ceux qui tozo tambola bolamu te malamu te ba benediction to koko loupe yango. Israël li kansa nzambe zaki ame mabango dans le pays qui coule le miel. Mais regardez dans le désert leur comportement. Ba kote ici, ils ont commencé à adorer d'autres dieux. Statue. Vous donc roi les images. Il y a idolâtrie. Ton côté ici, idolâtrie. Ton côté ici, ma mauvaise mesure. Ton côté ici, ma passion, Yamabe. Ton côté ici, ma pensée, Yamabe. Ma acte, Yamabe. Et Israël, ils ont commencé à mélanger. Mélange. Nous sommes dans le mélange, nous sommes dans le lobby. Bisona Congo Nzambe. Bisona passé. Nous sommes dans le combat Jésus. Mais en coulisses, nous sommes dans le souci. Nous sommes dans le combat Jésus. En coulisses, nous sommes dans la pratique, Yamabe. Mélange et côté. Aaron, lui Israël, voici votre Dieu. Aaron, n'oublie pas, je vous ai dit que Aaron, comme Aaron, il dit un homme qui brille. Le nom Aaron veut dire il brille, briller. Azongenga.
sa façon de parler à Zongenga, sa façon de s'habiller à Zongenga, sa façon, cet homme, ah, regardez comment il parle, ah, regardez comment il s'habille, ah, regardez tout ça. Mais est-ce que Aaron a dit lui, Aaron, dans son cœur, il avait besoin de matériel, il avait besoin de richesses. Mais en eux, il avait perdu la présence de Dieu. En eux, Aaron, il était corrompu. Bisoba tout autant, la canapo, ils ont frappé la mise. Ah, Moussa Nzambé, regardez comment il parle l'anglais. Ah, regardez comment il parle le français. Ah, regardez comment il conjugue les verbes. Passé simple, passé composé, plus. Tout ça, nous regardions cela. Est-ce que nous avons dit à nous? Mais ça, nous avons dit, peut-être que nous avons ignoré. Peut-être que nous avons tchakate. Peut-être que nous avons dit, Aaron, à un moment, nous avons dit, mais nous avons dit, la personne qui prie, comme il dit, Azongenga, sa façon de parler, sa façon de voir des choses, sa façon de faire des choses, Azongenga. Mais Aaron en lui, il était corrompu. Aaron en lui, il avait perdu la présence de Dieu. Il fallait Aaron Zongisa. Moussa Nanzambe, to Zongisa Bato. Mais nous sommes là, non pas pour faire leur volonté, mais nous sommes là pour faire la volonté de Dieu. Ezaki ke basale la bango nzambe mususu. Ezaki makambo bango balingaki. Il fallait Aaron ya kozote ya bango makambo nzambe balingaki, aye kote ya bango makambo bango balingi. Na pasteur na yebi makambo batu balingi. Batu balingi ba fo balingi ba profesi. Batu balingi ba disa bango nzambe balingi po na bango. Mais tango zote ya bango maloba nzambe balingi po na bango, bango balingi yango te. Bango balingi maloba masse na zomona boye. Nazomona nzamba kupeso boye. Nzamena mwana nazomona libala moko boye. Nazomona bana moko boye. Nazomona finance moko boye. Nazomona batu balingi ne bongo. Il fallait arroite ya bango o nzamba lingi, arroite ya bango o bango balingi. Les beaucoup des hommes de Dieu nous prêchons ce que les hommes dit plutôt o batu balingi, il fallait tout ya bango o nzamba lingi. To côté ici mélange. Bana nzambe to côté ici mélange. Nous les hommes de Dieu to côté ici mélange. Matthieu chapitre 6 verset 24, Malobi. Ni ne peuvent servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre. Il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Vous ne pouvez pas servir Dieu et le diable. Nous ne pouvons pas être dans la lumière, être aussi dans les ténèbres. Apocalypse chapitre 6. Verset 15, Malobi, car je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bruyant, puisque tu es, Malobi, awa, osa malilité, osa motote, Malobi, comme tu es tiède, nzamba osa nina ko vomir yo, nzamba ko sanza yo, osa maya motote a malilité. Babini, serviteur ne peut pas servir des maîtres. Kota maga manzamba osa, yamukili osa li. Kote, yamakambu, oyo, yamabeza, yosa. Ma côté, de ma gamanzambo zali. Ni serviteur ne peut pas servir des maîtres. Israël là-bas, ils ont commencé à adorer. Vodo là-bas, ils ont fait encore une fête à l'honneur de l'éternel mélange. Ils étaient les idolâtres, mais là-bas, adoraient aussi Dieu. Mélange. Là-bas, ils avaient leur Dieu quelque part. Vaudor, mais quelque part, ils avaient aussi le vrai Dieu. Mélange. Puis voilà, Yesu, Seigneur, Seigneur, yondo ye bimotema, mais yono ke naka papa marabou. Ma conférence l'église oyak, mais papa marabou, bandaka marabou, bandaka bavoudou.
Yohana luka ba prophète. Oh ok, prophète mon na Nigeria. Oh prophète mon na Togo. Oh prophète mon na Mali. Oh prophète mon na Nigeria. Tout ça. Mais la conférence mais Zamboza. Et là, nous avons dit que nous avons dit prophète. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons c'est ça, nous mélangeons. Nous avons mélangé. Ni serviteur ne peut pas servir deux maîtres. Il y a un mot qui dit dans Marc chapitre 2, verset 21. Bazoloba, okoki kotongate, elamba. Et l'amba, n'a l'écoute à Kaloksangisi, et l'amba à Sikana à Kaloksangisi. Au coup, vous avez dit, vino à Sikana, vino à Kaloksangisi. Vie à Kalana, vie à Sikabdoué, par le Seigneur, tous sont mélangés. Vie à Kala, ma comportement à Kala, vis à l'éloi à Kala. Tu es dans le Seigneur, tous sont mélangés. Babi, au coup, vous avez dit, et l'amba à Sika. Ne l'amba ya kalo sangisa yango. Et que quand on avec le temps, c'est-à-dire, devite, on va mélanger devite. Toko ki ko mélanger devite. Toko mélanger ba vie à kala, vie à mabe, vie à péché, vie à impureté, tout mélanger yango. Nous ne pouvons pas mélanger Dieu avec maman. Nous ne pouvons pas mélanger Dieu avec les fétiches. Nous ne pouvons pas mélanger Dieu avec magie. Nous ne pouvons pas mélanger Jésus avec magie. Nous ne pouvons pas mélanger Jésus avec tout ça. Ce sont des pratiques là. Et ça la musique na biso. Nous ne pouvons pas mélanger Dieu. Soyez ferme avec Dieu. Soyez restés fermes avec le Seigneur. Dans ces temps, il y avait aussi des gens qui étaient fermes. Caleb, il était ferme avec Dieu. Josué, il était ferme avec Dieu. Et je vais vous montrer dans la Bible, ces gens, ils étaient fermes et Dieu les avait bénis. Ils ont vu la main de Dieu. Ils ont vu la fidélité de Dieu. Et Dieu était fidèle avec eux. Parce que, et, au départ, ils étaient aussi fidèles à Dieu. Quel que soit ma combat, quel que soit des attaques, quel que soit des rejets, ces hommes, Caleb, Josué, ils étaient fermes. À Dieu, restez ferme, maman. Restez ferme, papa. Attache-toi au Seigneur. Attache-toi au Seigneur. Quelles que soient les tempêtes, quels que soient les tourbillons, quels que soient les combats, quels que soient les rejets des hommes, quelle que soit la souffrance, sois ferme avec ton Dieu. Les hommes de Dieu, sois fermes. Ne soyez pas comme Aaron. Aaron, il était corrompu. Et regardez quand Moïse a yalbi. Moïse a dit, ma gamouni, non sali. Aaron a dit, na Moïse, oh, na banga ki nangai. Yo a dit, peuple, ndengi bazalak. Aaron a yebagi kalon. On a dit, peuple, nanzelanza. Basa l'anzambe, belépe, le gola, toi, a besoin. Tout à la moutou, a bengi biso. Tout na moukilio, toi, n'a dit, tout se pensa batou, tout se pensa nenza. Parce qu'au fur et à mesure, au niveau se pélissaïe, on se pélissa quoi à la gauche, au niveau se pélissa quoi à la gauche, on se pélissa quoi à la droite, tu aurais toujours des problèmes. Attache-toi à Dieu, obéir à Dieu, sois fidèle à Dieu. C'est ça le message que Dieu m'a mis au cœur pour parler à son peuple. L'ignorance au sein de l'Église. Regardez Israël, Balobi Makamouane Komaki, Popisoto tirer les sons à Bissot. Laissons-nous te retirer. Ce qui te retient pour la nanza, nous allons continuer comme ça là. Mais ma promesse n'est que qu'on puisse amener à Bissau. Mais ce qui nous envoie ça là à Bissau, nous envoie ça l'obé à Bissau. Mais Bissau, tous les fidèles n'y étaient. Beaucoup d'entre eux, ils ont tombé. Et ma mon ami ma promesse était. Ce qui te retient pour la nanza, la nanza, te retient si ça va pour ça ma bé. Tu recoutes ma comportement, ma bé. Et beaucoup d'entre eux, bah, mon aki, n'a qu'on lingate, ma kambo, oh, et comme la ki, bah, comme la bisou. N'a qu'on lingate, ma kambo, bah, on va vivre à qui? Bisoto vivre en haut. Bisoto sananza, tous à la ferme. Bisoto kangamanaye, potomona, ma promesse naye, koko ki sa même, mais oumeli, Abakouk 2, verset de Babi, même ici la prophétie, et oumeli attend, il s'accomplira certainement. Babi, soyez ferme et inébranlable. Balobi, ce Dieu-là, il a rendu le service au saint. Jusqu'à maintenant, la Hébreu, Balobi, il est en train d'agir. A corristoreyo.
Que le Seigneur vous bénisse. Matéa Oyo, l'ignorance au sein de l'église, et ça là-bas, fossette et belé, mais toujours le belango petit à petit, toujours qu'il y a des malins, mais n'oublie pas, tu as besoin de parler l'ignorance au sein de l'église. Chaque fois nous lisions la Bible adresse. Bazo le frère, comment la ma phrase, frère, ne soyez pas ignorant, mais bien-aimé, ne soyez pas ignorant, frère. Frère, ne soyez pas ignorant. Bazako s'adresse Nabiso Église. Bazako s'adresse Nabiso ba croyant. Parmi ma kamboane koma ki popiso to tire. Laissons. Que le Seigneur vous bénisse. To continue kaka parti oyo menace na ango. Kaka bana Israël. Ba makamoussou ba comporte peu. Ba comportement. Moussous pe bazala ki na ango. Nous pouvons aussi kotire laissons na kati na ango. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons maintenant prier. Et si Kozali, Liloba Onyo Sebimi Ponabiso, Aaron Aza image Nanga, pasteur, Aza pe image à Bonsel Nanzambe, Israël Aza image à chrétien, à Yo, tout ça, Tobi Sanzambe, tous à la fidèle, tous à la naba comportement, Iloko la bateau, mais nous nous restions toujours fidèles avec toi. Bonde la panda quelques minutes, Tobondeli, Tobondeli.